Aujourd'hui, 25 décembre, les chrétiens célèbrent Noël, la naissance de Jésus. La messe de minuit à la cathédrale de Ouagadougou a été marquée par des chants de louanges et d'actions de grâce pour cette fête de la nativité, qui est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité, d'où l'homélie qui a interpellé les chrétiens à faire de l'amour la priorité de leur vie quotidienne et à renoncer aux attachements et à la convoitise de ce monde. Bilidou Bazongo, Ismaël Diloma Sirima. Assidus et bien éveillés, les fidèles catholiques ont bravé le sommeil jusqu'à la naissance du Christ. Ils ont utilisé comme remontant la musique et les chants. Le cardinal, pour sa part, s'est entretenu avec les fidèles sur le sens de Noël. Selon lui, c'est la manifestation du Dieu amour pour l'humanité. Et pour cette célébration de la naissance du Christ, son éminence Philippe Ouédraogo demande aux chrétiens de se tourner vers ceux qui sont confrontés à des souffrances multiformes. Notre Noël ne doit pas être Noël de ripaille et d'orgie, n'est-ce pas, hein? Alors donc, c'est inviter les gens à aller à l'essentiel quand même de la fête. La joie, bien sûr, peut se manifester, mais cela ne doit pas se faire au détriment de l'essentiel. 4 semaines de préparation dans la prière, dans l'amour de Dieu et des frères, mais cela ne doit pas être absent complètement de la célébration de Noël. Dans son homélie, le cardinal invite les fidèles chrétiens à s'éloigner des attractions de ce monde et à renoncer à la convoitise. Cela m'interpelle à moi aussi, à mon tour, aimer mes frères et mes sœurs comme il se doit, comme il se peut, et de faire en sorte que de moi, il y ait aussi le salut pour d'autres personnes. Noël, c'est aussi une période d'invocation. Et pour ce réveillon, les fidèles chrétiens ont prié pour la paix, la réconciliation et la justice au Burkina.